Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Team Shape et c'est un plaisir de vous entraîner aujourd'hui. Et aujourd'hui la Team Shape, c'est parti pour une séance de musculation spécialement pour travailler et muscler vos pectoraux à la maison avec deux haltères. D'ailleurs, avant que la vidéo commence, pour ceux qui le veulent, mon pack musculation à la maison est de nouveau disponible. Le lien est dans la description. C'est parti! Allez, on attaque dans 10 secondes, c'est parti, let's go. J'espère que vous êtes chaud, motivé. On attaque un exercice au sol, développé couché haltère. On prend les deux haltères et on vient contrôler la descente jusqu'à ce que vos coudes touchent le sol et on remonte en contractant et en serrant bien les pecs. Voilà. On pense à bien souffler. C'est très très bien. Essayez de vous arrêter juste avant que vos coudes touchent le sol. Hop. Pour garder la tension dans vos muscles, dans vos pecs. Super. Je vous montre de ce sens là. Yes, super. Ok, prochain exercice. On a un peu de récupération. Comme c'est un muscle qui se gorge très 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 vite de sang, on va avoir 30 secondes de récup. Donc là, juste, on prend son temps, on souffle, ça va bien se passer. Alors, attaque dans 15 petites secondes. Pour le prochain exercice, on va venir mettre les haltères à ce niveau là et pousser comme cela. Allez. C'est parti, on descend et on pousse. Super, on contrôle la descente. Voilà, faut pas aller trop vite. La muscu, faut ressentir ses muscles travailler. Encore. Allez. C'est bien. Super. Donc là, pour vous donner une idée, j'ai pris des haltères de 10 kg pour la vidéo. Vous pouvez très bien prendre des haltères plus lourdes ou plus légères, comme vous souhaitez. Prochain exo, on va venir faire des pompes sur les haltères. Donc soit vous utilisez vos haltères pour faire les pompes, vous savez, où on va s'appuyer le poignet dessus. Soit vous avez bien sûr les poignets pour pompes Team Shape et vous pouvez les utiliser. Est-ce que je les ai ici? Je ne les ai pas là, on va utiliser les haltères là. Donc c'est parti, en position, et là du coup, le fait d'utiliser les haltères, vous allez avoir beaucoup plus de, alors en anglais on dit range of motion, mais du coup, plus de, ah j'ai oublié le mot en français, ça fait trop bilingue de dire ça, mais amplitude. Voilà, allez, on descend bien, on contrôle et on pousse. Voilà, vous avez vu, c'est facile. Allez. Donc la séance du jour, elle dure 8 minutes. Donc vous pouvez très bien la faire 4 fois à la suite, 2 fois à la suite, 3 fois à la suite, suivant un petit peu votre niveau, la forme que vous avez, etc. Allez. Prochain exo. On va prendre les haltères dans les mains. Vous pouvez rester sur les genoux ou assis. Et on va venir faire celui-là pour travailler le haut des pecs. Allez, c'est parti. Hop, voilà, comme ceci. Et là, vous allez sentir vos pecs travailler et un petit peu vos épaules aussi, bien sûr. Très, très bien. Allez, on contrôle la descente aussi. Si vous n'arrivez pas à contrôler, c'est que les haltères sont trop lourdes. Donc là on a fait un premier tour, on va en faire un autre comme cela, comme celui-là. Et vous pouvez, comme j'ai dit, remettre la vidéo du début pour pouvoir faire en tout 4 tours et avoir un entraînement vraiment complet de 16 minutes. Allez, on souffle bien, on repart sur le développé couché. Je vais changer de sens pour vous montrer. Allez, 5 secondes. Hop, position. Voilà. Donc vous avez vu, je les haltères un petit peu vers l'intérieur. Elles sont pas droites comme ça. Elles sont un petit peu comme ça. Voilà. Et on contracte bien les pecs en haut. Encore.
Super, on pose. On pose, on récupère, on souffle. Tout est sous contrôle. Sinon, j'espère que vous allez bien. Hein? Que vous avez la forme. Bien sûr. Allez, très bien. Je vais remettre ma tête sur le tapis. Allez, vous êtes prêts? Vous vous souvenez de cet exercice-là? On serre les haltères l'une contre l'autre. Et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, encore. 6, 7, allez, 8, 9, 10, c'est bien. 11, 12, 13. Super! Vous vous débrouillez très très bien. Allez, prochain exo, on va penser en pompe. Hop! Voilà. Très bien. Hop là. On rapproche. Allez, on pense à bien souffler. On désengorge un petit peu les pecs parce que les pompes, ça va bien congestionner. L'acide lactique là, dans les muscles. Super. Donc, on contrôle et on pousse. On contrôle la descente doucement, doucement, doucement et on pousse. Voilà. Hop. Forcément, ça va être un petit peu plus dur que des pompes classiques puisque vous allez avoir plus d'amplitude, donc vous pourrez descendre beaucoup plus bas. Allez. Super. Allez. Tout se passe bien, on souffle, on récupère et on passe au dernier exercice de cette séance où on va venir, hop, un bras après l'autre, cibler le haut des pecs. Allez, c'est parti. Je vais me mettre face à vous. N'hésitez pas à me dire dans... Pardon, excusez-moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les prochains entraînements que vous aimeriez voir. Allez. Hop. Allez. Encore. On serre bien en haut. On essaie de se concentrer sur les pecs. Yes, bravo! À présent la Team Shape, vous pouvez commander mon pack musculation à la maison. Le lien est dans la description. Vous aurez un tapis de sport Team Shape, un élastique, une corde à sauter et un programme d'entraînement sur 12 semaines. Pour le télécharger, le lien est dans la description. Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo entraînement tous les jours. Et si vous avez encore de l'énergie, cliquez ici et faites une autre vidéo sport. Mais surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!